était donc à parler sur quelque chose sur quoi j'ai réfléchi il enfin, y assez longtemps avant d'oser publier dessus sur donc la, la thèse de Paris. Alors, Paris écrit donc sa thèse et il s'est passé quelque chose assez drôle c'est au moment de la soutenance et ça j'imagine très bien ça correspond assez à ça, les choses, la façon dont les choses se passent dans, dans les soutenances il arrive avec sa thèse qui était admirable il avait pas de problème bon mais euh, alors je ne sais jamais si Auguste ou Octave Meillet, le, le grand, enfin son directeur de thèse, le grand spécialiste des langues indo européennes En tout cas, Meillet, qui est le directeur de thèse, lui dit, et je vois très bien, mais jeune homme, votre affaire, ça prouve que c'est oral. Et cette histoire d'épithètes systématiques qui jouent un rôle métrique bien spécifique, qui ont quelque chose d'automatique, ça prouve que ce sont des textes composés oralement. Et il n'y avait pas pensé une seule seconde. Je veux dire, euh, bon, euh, évidemment, ça, il avait fait ça en helléniste. Bon, euh, euh, ah oui. Et donc les quelques années qui lui restent à vivre, il a travaillé là-dessus. Enfin, il a regardé ce côté-là. Euh, ça serait l'indice qu'il y a à l'origine une composition orale et que euh, ce caractère systématique des euh, épithètes, c'est une aide pour, le, pour, le, pour la aide. Les épithètes viennent automatiquement, je veux dire, quand, quand il y a une épithète donnée, ça me fait tout un colon. Surtout que ce n'était pas seulement les épithètes, c'est qu'on a dans certains cas, on a bon, on a un su, une, une formule sujet, un groupe sujet qui va d'une du, du, césure à une extrémité de verre, mais il y a aussi, quelques, euh, aussi des formules verbales qui vont du début à la fin. Donc il y a des cas où poof, le verre se fait automatiquement. Bon, ce pas toujours comme ça, mais il y a quelque chose d'un peu automatique. bon euh... Et il se dit, oui, c'est en effet une idée à creuser. Et un bon moyen de tester cette hypothèse, ça serait d'aller euh, euh, dans des pays où il y a une tradition épique vivante. Et c'est là qu'il va faire son travail avec son assistant Albert Lord euh, euh, en, en Croatie, enfin en Croatie et en Serbie. Il parle de gens qui parlent le serbo-croate, comme dit à l'époque, donc serbe. Euh, plutôt en Croatie, puisque ces gens sont musulmans. Et euh, ils vont développer, lui, mais lui meurt très jeune, bon, il meurt accidentellement. Alors, ce côté jeune il meurt à 33 ans, enfin ça fait partie de ces jeunes génies, parce qu'il y a quelque chose de génial dans sa thèse, bon, très tôt frappé. Et c'est Albert Lord qui va continuer son œuvre, et ça va aboutir à un livre qui est un peu un des classiques sur l'oralité, The Singer of Tales, hein, que... que tous les étudiants sont censés avoir lu, qu en tout cas, je, bon. Quelque chose d'un peu. Lord a eu le rôle difficile, il est celui qui doit achever l'œuvre du jeune génie trop tôt rappelé par les dieux. C'est un rôle bon, que je trouve inconfortable. J'aime moins bien Lord que Paris, mais bon, peu importe. Et... Mais en tout cas, ce que commence à dire Paris, ce que Lord va dire, c'est que l'oralité véritable, le hein, euh, singer, le chanteur, le hein, oral singer, c'est celui qui compose à la manière dont composent les barres de serbo-croate et à la manière dont a dû composer celui ou ceux, mais lui était pour celui, à qui nous devons euh, les épopédites homériques. Euh, C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, pour qui le moment de la composition est le moment de l'exécution. Voilà, voilà ce qu'est la véritable oralité. Le reste, le, le poète qui compose à tête opposé pour après réciter des textes qu'il a composés, ce n'est pas la véritable oralité, je la mets de côté. Bon. Pourquoi diantre C'est un peu, un peu. Ça a été l'un des moteurs de. de, de... Euh, de de, de l'écriture de, 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 du livre, donc euh, j'ai euh, acquis, il a paru quand en 2012, dans la rédaction duquel je me suis lancé après avoir fini mon, mon livre Jean, Jean de Parole, hein, où je parle d'Homère, donc des troubadours, de la poésie arabe et de la poésie, euh, euh, de la poésie toire. Oui, je crois que si vous voulez. d'accord oui. Bon, et. Euh, et du coup, je me suis, comme ça, ça a été une recherche qui m'a beaucoup amusé, à explorer le monde de la, de la poésie orale plus ou moins, euh, à regarder ce qu'il en était des modes de composition. Et la conclusion à laquelle j'en suis arrivé, c'est que si on tient absolument à faire une césure, euh, pas tellement entre poésie orale et poésie écrite, d'abord parce que les poèmes écrits, bon, euh, -dire, moi quand je lis des poèmes, il faut que je me les lise à voix haute, sinon c'est pas ça, quoi. Bon, bon, Et bon, et après tout, euh, Flaubert qui faisait pas de la poésie, passait ses phrases au gueuloir. Bon, quand même. bon, bon donc la poésie écrite, elle est jamais, elle est parfois un peu orale aussi. Bon, euh, et d'ailleurs, c'est Gide qui dit, et ça c'est intéressant, j'ai constaté que c'était vrai, il dit qu'on lit Proust. Il y a des fois, où il vaut mieux le lire à haute voix, sinon on comprend pas. C'est vrai, qu'il y a des cas où c'est très parlé. Que si on met pas le ton, il y a des, hop, on comprend pas. Donc, bon, déjà, bon. déjà, ce qui est écrit n'est pas complètement, est un peu oral quand même. Bon, et puis surtout, pourquoi donc faire se dire le poète oral, le vrai poète oral, c'est le barde, hein, qui, je veux dire, qui, qui, pour qui, chaque, chaque composition amène un nouveau texte. Alors déjà, dans le matériel qu'ils ont recueilli, on voit que ce n'est pas tout à fait vrai quand même. Que, bon ils ont, ils ont demandé à bardes de réciter plusieurs fois une épopée donnée. Ça change à chaque fois. Ils insistent sur le fait que ça change à chaque fois, ça change à chaque fois, mais quand même pas tant que ça. Et bon le, le, le poète arrive, il a quand même il n'a pas juste un système formulaire, bon, parce qu'ils ont trouvé chez desbartes de Serbo-Croate un système formulaire analogue à ce que Parry avait cru détecter chez Homer. Quand même des choses, ça se stabilise. À force de réciter telle épopée, ça se stabilise un peu dans ma mémoire, malgré tout. C'est-à-dire que j'arrive pas, ce n'est pas de la pure improvisation, quand même. Bon. bon. Euh, et ensuite, il y a tous les cas intermédiaires. Il y a notamment le cas, alors c'est Musil, je sais plus quel est le prénom de ce Musil-là, c'est le frère du romancier, a recueilli des poèmes hein, en Jordanie, des poèmes arabes, et a, a, a publié un livre. Euh, sur ses séjours en, euh, en Jordanie, où il parle du poète, du poète bédouin. Et il dit un poète bédouin ne compose pas tout à la file, tout un poète. Il compose quelques vers qui forment un tout, et puis il a autour de lui ses raouis, ce qu'on appelle en arabe ses raouis, euh, devant qui il les récite et qui les mémorise, qui des fois lui suggère quelques retouches, qui les mémorise. Et puis, une fois qu'il a libéré ainsi sa mémoire, il y a d'autres qui ont pris en charge la mémoire de ce fragment, il continue, il ajoute un autre fragment. Bon. Euh, et un poète se compose comme ça, avec une interaction entre euh, le, 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 le poète et ses assistants. Et. Euh, alors, je n'ai pas, pas vu chez les Touaregs, je n'ai pas vu bon, euh, comment ça se passait, mais c'est vraisemblablement comme ça que ça se passe. Les grands poètes ont des assistants, et c'est les assistants qui mémorisent. Et il est bien possible qu'il y ait aussi une composition par fragments, parce que j'ai dit que les poèmes étaient monorimes, ce n'est pas complètement vrai. Les poèmes très loin, on voit bien, il y a des fragments monorimes, puis des fois, ça peut changer. Donc, ça peut très bien être des fragments composés dans, en une seule fois, puis après. L'assistant a mémorisé, je continue, et puis la rime a peut-être changé. Il y a quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on appelle les laisses dans la, la, la poésie épique médiévale, enfin, euh, chez nous. Bon. Donc là, voilà un cas d'oralité, mais qui est assez différent. Parce que ce que dit euh, Paris, et ce que dit lord à sa suite, c'est qu'évidemment, le poète oral, leur poète oral qui est censé composer dans le moment de l'exécution, dire... Il n'est pas comme celui qui écrit avec une feuille de papier, c'est-à-dire qu'il n'écrit pas, il, il pas un verre, Bon, euh, il libère sa mémoire et puis il y revient, etc. Il est obligé de composer à la, comme ça, de composer à la file. Donc, il faut que sa mémoire soit libre, il faut que ça vienne avec une certaine automaticité. Bon, d'abord, sa mémoire n'est peut-être pas complètement libre. Puis, ben. Il peut y avoir. Alors là, la, la diction formulaire, parce que c'est vrai qu'il y a une diction particulière chez Homère, et surtout encore plus chez les poètes, euh, les barbes de serbo-croates, euh, c'est assurément une aide, à hein, une aide à l'exécution. Bon. Mais l'exemple bédouin, l'exemple jordanien que donne Musil, c'est une autre procédure, une autre aide possible. Où là, on est quand même plus du cas écrit, c'est-à-dire qu'il y a malgré tout. Euh, là, la composition n'est pas contemporaine de l'exécution. Non, il y a une composition à tête reposée. Et ce qui joue le rôle de la feuille de papier du poète écrit, ben, c'est la mémoire de l'assistant. J'ai la mémoire libre. Parce que le, le problème, on voit très bien, le problème cognitif qu'ont à affronter les gens qui composent de la poésie orale, c'est en même temps de composer et de mémoriser ce qui composent. L'esprit doit être occupé à deux tâches. Le, la solution bédouine est, est une solution possible à, cette, à ce problème-là. Il peut y en avoir d'autres, et, et je pense que c'est la solution qui, qui existe chez les Tourak. Ce serait un sujet de recherche intéressant, essayer d'interroger de hein, des poètes et demander comment ils travaillent avec euh, leurs assistants. Des poètes qui travaillent encore oralement, parce qu'il semble qu'on commence à avoir maintenant des, des, des poètes qui travaillent euh, en utilisant l'écrit mais souvent c'est des poètes qui ont été scolarisés, donc ça, ça devient autre chose. Là. Bon. Euh, et puis, ah, on peut imaginer des cas intermédiaires. Par exemple, j'étais tombé, et j'en parle dans mon livre, parce que je trouve que l'affaire est assez intéressante. Euh, Borges hein, euh, euh, était aveugle, hein, donc euh, à la fin de sa vie, il dictait ce texte. Et on nous dit, il dicte quelques mots, on prend... Bon, il y a un assistant qui, qui, qui écrit, il demande qu'on lui répète ce qu'il a dit plusieurs fois, on lui répète plusieurs fois, puis il en dicte un peu plus. Et quelqu'un qui a observé ça dit, au moment où on lui dit ce qu'il écrit, il suit du doigt, dire son, son doigt suit ce qu'on lui dit. C'est-à-dire qu'il n'est plus en état d'utiliser une feuille de papier, mais quand même il a gardé le geste. Alors lui aussi, il est un peu comme le poète Bédouin, il, est, il, il a l'aide d'un assistant. Je veux dire, bon, euh, bon, et, et là aussi l'assistant a mémorisé, a même écrit. Là, pour le coup, il n'a pas seulement mémorisé, il a écrit ce qu'il a commencé à dire. Donc, il s'appuie, hein, il s'appuie sur lui, sur l'assistant. Bon, euh, mais quand même, même s'il ne travaille plus couramment, il dit quelque chose. On le lui redit, qu'il l'est bien en tête. Puis il poursuit un peu. Il est resté un homme de l'Écriture qui suit du doigt. Sa main travaille encore. Mais elle ne peut plus, elle ne peut plus écrire. Mais bon. Donc, on est encore voilà, encore un cas intermédiaire. Enfin, bon. Donc, on peut imaginer une gradation ce serait une recherche intéressante. J'ai proposé quelques cas on peut en imaginer d'autres, de voir comment ça se passe. Comment les, 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 les poètes s'arrangent du fait que, pour pouvoir produire un nouveau vers, il faut que je, je me sois libéré de ce qui est déjà là. Enfin, bon. bon. Euh, et puis il y a un cas, hein, je, je cite aussi ce cas, c'est un cas qui est, qui, est, qui, est, qui est bien commenté par un, nos collègues, qui fait des choses très intéressantes, c'est Denis Laborde, qui est musicologue, mais qui a aussi travaillé chez les, les, les Bertsoulari, on appelle ça les Bertsoulari, les poètes qui improvisent en Pays Basque. Il a, il, a, il a travaillé avec un poète qui... Alors il y a, il y a des cas, des concours, des de poétiques, ça existe ailleurs, il y a quelqu'un qui a travaillé là-dessus en Sardienne, Mar Maria Manca, a recueilli de très belles choses sur les, les joutes poétiques en Sardaigne. Euh, C'est l'idée, on donne un thème, hein, il y a deux poètes qui s'affrontent, on donne un thème et ils doivent se répondre. Chacun compose un quatrain ou un quintile. Je compose, je viens là improviser, je compose, là, je viens sur l'estrade, puis je descends. C'est l'autre qui vient en face qui me rend, euh, je veux dire, qui, bon, qui me donne la réplique, etc. Et l'un de ces. Euh, personne avec qui il a, il a travaillé lui a dit ben voilà comment je fais alors donc il faut que pendant que euh, son, son adversaire est sur l'estrade il faut qu'il compose sa réponse bon, bon faut il faut qu'il pense parce que quand il va venir je dirais, il n'y aura pas de temps mort il faudra qu'il vienne et paf il dit ben voilà ce qui se passe c'est que je commence par la fin je compose le dernier hémistiche ça me donne, puisque c'est des quintiles ou quatre monorimes, ça me donne la rime. Bon. bon. Et euh, puis après ça, le dernier vers, puis l'avant-dernier. Je commence par la fin. Bon. Et quand j'arrive, j'ai plus qu'à me jeter sur le premier vers, mais la, la rime est déjà faite. Le problème, c'est que il faut que j'ai retenu quand même, <laughs> au fur et à mesure, que, parce que ça va vite <laughs> pendant que, que l'autre existe, je compose. Alors il dit, j'ai j'ai des têtes dans dans, dans j'imagine des places dans ma tête des places avec une image à chaque fois correspondant à chaque verre et il a une image les images sont fixes hein le premier vers, l'image c'est il se trouve que je fais du parachutisme c'est face au vide le saut c'est ça l'image et dans cette image je, je place le premier verre il viendra à la fin bon je place le premier verre bon. Tel verre, c'est euh, ma, ma deux chevaux, rouge, garé là. Là, c'est l'image qui correspond à, mettons, troisième verre. Là, je place le troisième verre. Donc, il a des places dans sa tête avec une image précise à laquelle il accole d'une manière ou d'une autre. Hein, ça suppose d'une mémoire bien entraînée quand même. Il accose ces verres au fur et à mesure qu'il les compose. Mais il est aidé dans sa tête par le fait qu'il a des images fixes qui sont les mêmes toujours hein, dans tous ses concours où il va, qui correspondent à ses quatrains ou à ses quintiles quatre ou cinq images bon, dans laquelle il place ses vers, ça les aide. Il faut qu'il ait une image dans laquelle le, le texte du vers est placé, ça les aide à le retenir, et voilà. Bon, Donc là, voilà encore un autre exemple intéressant. Alors, ce que ce monsieur ne savait pas, et ce que fait remarquer, c'est très intéressant, euh, euh, que fait remarquer Laborde, c'est que c'est bien connu, cette affaire-là. C'est ce que faisaient euh, les orateurs de l'Antiquité et les mnémonistes, qu'on appelait les mnémonistes, et là, il y a des développements de Cicéron là-dessus, enfin, qui sont connus. Il y a un très beau livre de Francis Yates hein, sur cette affaire-là, sur les, 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 les procédés mnémoniques utilisés euh, à l'époque où, ben, on, oui, il y avait des textes écrits, mais bon, euh, euh, l'usage écrits n'était pas le même. Il fallait apprendre beaucoup par cœur. Et donc, les gens avaient là aussi des lieux, qui étaient des pièces. Hein, on avait un bâtiment. Bon, et quand Cicéron avait à plaider, il avait un bâtiment qui était toujours le même. C'est comme les lieux pour un bâtiment, euh, les lieux pour ce chanteur basque, euh, des pièces qui sont toujours les mêmes, et dans chaque pièce, il place une image correspondant à ce qu'il a à dire. Alors, il n'a pas nécessairement une... Euh, C'est pas, pas comme un verre, hein, ça peut varier, mais une image, bon. Et il faut qu'il ait un objet, il place dans sa pièce un objet. Par exemple, une armure, si je dois parler de la guerre, ou si etc. Bon. Donc je, quand je compose ma plaidoirie, je compose en même temps une série d'images que je place dans des lieux qui sont fixes, qui sont quelque chose qui est donné dans ma mémoire. Bon. Et après, quand je vais débiter ma plaidoirie, ma, ma, ça va être une promenade à travers des pièces. C'est exactement ça. Je trouve intéressant d'ailleurs que spontanément, ce, ce chanteur ait développé quelque chose qui est très ancien, qui a disparu avec l'imprimerie. Écrits se sont multipliés. Bon. Donc là encore, voilà un autre usage de l'oral. Bon, il euh, bon, y en a, a d'autres, j'en cite quelques cas. Du coup, euh, un peu ce que je me suis amusé à faire dans ce livre, outre que ça menait à parler de choses que je trouvais très belles, bon, l'épopée homérique, les troubadours, je suis revenu un peu à la poésie règle la poésie arabe, bon, à proposer cette idée, à dire mais il y a toute une grattation, enfin, euh, bon, euh, qui va peut-être des quelques rares cas où j'improvise totalement, mais ça doit être rarissime, même quand j'improvise. Ma, Maria Manca, bon, elle, elle a parlé des, 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 justement des, 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 des jouteurs hein, en sardes. elle n'a pas eu de cas où il y a des gens qui, qui cèdent d'appareils mnémoniques de ce genre-là, mais quand même, c'est des gens qui lisent beaucoup, -dire, ils cèdent quand même de l'écrit, et puis bon, quand improvisé j'improvise. Mais il doit y avoir quelque chose. Son livre ne dit pas trop, mais c'est pas toujours facile de voir, qu'est-ce qu'il peut y avoir de fixe, ou peut-être qu'il n'y a pas, mais bon, voilà un certain usage bon, de la mémoire, bon, une certaine forme d'oralité. Il bon. Bon, y a les bardes, qui même s'ils n'improvisent pas, cèdent jusqu'à un certain point de l'appareillage formulaire. Il bon. y a ceux qui composent à tête reposée éventuellement avec un assistant, les poètes bédouins, poètes jordaniens, sans doute aussi poètes touaregs, puis il y a des cas particuliers, bon, des cas de, bon, justement, Borgès, bon privé de, de, de l'écriture qui est donc orale par la force des choses bon ça m'a paru intéressant de, de me promener là-dedans et je donne d'autres cas parce qu'il y en a un bon euh, il y a beaucoup de configurations possibles et c'est en tout cas ce que j'ai procédé au les proposer au lecteur une promenade puis dans certains cas je m'attarde plus j'avais des choses à dire sur les troubadours j'avais envie de parler des troubadours c'est tellement beau c'est bon que j'avais envie d'en parler J'ai essayé de faire bon un livre qui soit une promenade